Alors moi, c'est une volonté qu'elle soit présente comme ça et qu'elle prenne le dessus, beaucoup. Pour moi, j'ai besoin de rentrer à l'intérieur d'un personnage ou alors de partir dans l'espace, dans un monde animé. Et sans soutien de la musique, bah, moi, j'y crois pas, je suis pas transporté. La musique, pour moi, elle me transporte, elle fait que la réalité est vue différemment. C'est une musique en plus avec des voix très fortes et tout ça, qui est plutôt verticale et qui nous amène au-dessus, quelque part, un truc inaccessible. Et j'ai besoin de cette puissance-là pour que ça fonctionne, à mon sens. Si j'enlevais la musique, je pense que ça marcherait moins. Donc j'ai besoin de ça. Je comprends que certaines personnes sont trop envahissantes. Je pense que c'est notre sensibilité par rapport à la musique. Je sais qu'en France, c'est plus délicat d'imposer des musiques comme ça. On est plutôt dans un cinéma, évidemment, qui donne la part belle aux acteurs et qui, donnant tout cet espace aux acteurs, minimise peut-être même l'image et le son. Mais je pense que c'est plus peut-être l'utilisation de cette musique et peut-être un cinéma plus international que français, peut-être, sans jugement de valeur du tout, mais c'est vrai qu'en France, avec la nouvelle vague et tout ça, on a l'habitude de s'en passer régulièrement. Comment vous avez travaillé avec le compositeur ? Est-ce que vous lui avez fait voir les images, ou il a commencé dès le scénario ? Il a commencé dès le scénario, à me livrer des images. J'ai d'abord commencé par les séquences animées, bizarrement, parce qu'en termes de production, c'était quelque chose que je maîtrisais et qu'il fallait faire en amont, quand même. Donc il a commencé par ça, je dirais, et puis à me livrer plusieurs pistes, un univers musical. J'ai écarté certaines chansons, certaines musiques, et j'en ai gardé quelques-unes après, et il a retravaillé à partir de ça, ou il en a fait d'autres. En tout cas, il y a eu, depuis l'étape du scénario, il y a déjà eu un premier jet qui m'a imprégné un peu du film musicalement.